d'impact de projectile. Du seul Duprat prend plusieurs cartouches. Et au même on dit, c'est en exécution et clairement ou imputé là à pouvoir là. Pourquoi? Sans exécution, Robinson, puisque l'heure où paraît, où gagnait deux mondes qui déchargeaient, parce qu'on 9 mm et c'est chargé à environ 15 cartouches. Lors déchargé, les deux mondes déchargés, chaque 9 mm, yo, 2 fois 15 by 30. Ça veut dire que yo vini et yo kadi déchargé tout deux chargeurs yo sous Rico. Dieu seul te retrouvé le bac de Rico, mais la cible c'était Rico qui justement le juge de paix a fait comme ça, qui est décelé entre 12 à 15 impacts de projectiles sur lui. Donc ça veut dire que c'est une exécution côté que moun qui vidéo, eh bien, tu prends toute disposition pour su que et avec nombre de cartouches là que la mouri quand même. Dieu seul tu prends 3 cartouches et 2 dans dos et 1 dans genou et lui-même il y a des cartouches qui traversaient et Rico qui prend Dieu seul. Ça veut dire que l'homme dit exécution. C'est dans le terme technique côté que, eh bien, mon n'a pas fait un coup pour le tirer sur mon nayon ou deux cartouches, les décharger et yon pas à une distance de, qui était trop loin, yon à une distance de entre 5 et 2 à 5 mètres, c'est-à-dire yon arrivé bon côté, et que le TIA yon campé, et distance à pour 9 mm, c'est ça yon la portée effective. Portée effective là, c'est-à-dire c'est portée lors la donne, eh bien, ou pour la cartouche là, ou gagner presque 100% chance, c'est mourir. Même s'il te frappe ou dans pied, vibration, eh bien, a fait que peut-être il agit sous cœur. Donc, moi, je crois que l'on a des portées, l'on a des nombres de cartouches que vous tirez à son exécution, et l'Ivise Rico, et Sylvie Rico, chef sécurité, a dans zone bureau, hein? C'est pas non l'autre zone que l'on fait, c'est dans zone bureau, hein? Moi, je pensais que, moi, j'ai toute raison de penser que c'est un acte qui visait le sénateur la tortue. Ou dit maintenant là, c'est une bataille où il est, parce que là, ce n'est pas en question de débat d'idées, de débat contradictoires. Pourquoi ça dit ça? Oui, ça veut dire que moi-même et Robinson, ouais, plusieurs fois, on est intervenu dans la radio, m'a parlé de dossier, Dermalog, m'a parlé de Petro-Caribé, m'a parlé de Sophie Daï, de Parade Noël, de Blendé. Moi, je viens avec dossier parce que m'a fait politique, moi, dans l'opposition, moi, et j'ai un rôle comme dans l'opposition institutionnelle qui n'a pas le Parlement, comme dans l'opposition générale à l'aide de partis politiques. Rôle loin, c'est contrôler et proposer. Donc, moi, à contrôler, et moi, penser que me faire rôle loin, c'est pas un fusil que me gagne même. Et si on n'est pas d'accord, les droits viennent. Et il a invité le tout, qu'on est magique et toujours fait équilibre, pour que on dise, mais dossier sénateur, là, tu vas là, il n'est pas bon, mais tel bagaille. Moi, je pense que c'est ça qui est politique là. Et politique là, mon système, régime dit démocratique. Donc, dans ce sens-là, c'est un débat d'idées. Mais, je dis, c'est pas l'arme de la dialectique, c'est la dialectique des armes. Pour que, ou arriver, ou exécuter, justement, responsable sécurité, au sénateur, un coordonnateur de parti politique à quelques mètres de bureau, moi pensais que là et non pas qu'à et dit l'autre bagaille. Pour criminaliser. Oui, allô. Pour et soit évoqué là, c'est signature de nature criminelle. Oui, c'est signature, non pas qu'on pas qu'à dit l'autre bagaille d'ailleurs. Et moi pensais son signal que oui, bon moi un signal puisque pas oublier que sénateur la torture que ce soit. À travers ULCC, il y a convoqué, que ce soit à travers de Saki Rivea, que ce soit à travers de, moi t'ai signalé déjà, de disposition pour ferme là, côté que, ou qu'arrivé sous frontière là, et puis où est ce container, eh bien ferme là, qui campait, il n'y a pas passé, tout l'autre container passé. C'est des persécutions. Parce que je vous dis, que ce soit dans business ou, que ce soit non, près qu'on fait, que ce soit, et je dis à, dans l'exécution, je crois qu'il y a des actes que moi-même, moi pas qu'à prendre à la légère,
m'obliger à garder comme justement en persécution, comme un signal, et ce que toute partie politique reconnaît, parce que nous avons une réunion, nous avons deux fois par semaine, et événement ça, yo au courant de yo, yo suivi yo, et moi-même de bon côté PAM, moi expliquer yo, parce que nous toujours dit yo, que ce soit tout côté, dossier toujours correct. Donc, l'arrivée qu'on y a, ou quitter stade, côté Mwetekadi, tribulation sous frontière, et persécution politique, nari lo, yo pari le lot moun, et exécution ça là, sous gade bien Robinson, bagay yo en évolution, qu'on y a arrivé dans la mort. Nous arrivons dans un père de famille qui a quatre simones et qui a occupé ni maman ni papa, qui a un job sécurité, qui toujours fait travail à l'heure, et puis je dis à yo exécuté pendant que lui-même il fait un travail par la caille. L'ordre du pouvoir, qui est-ce dans le pouvoir? Écoutez, et moi je pense que je dis à, et moi pas arrivé spécifié parce que gagné quand même des informations que nous commençons à gagner, Robinson. M'pas voulu aller trop rapide, parce que ça, vous pas connaître, c'est que Katia, quand même, mon système, qui l'a, et gain monde qui veut information, yo. Gain certaines informations que n'a pas recueilli. Moi, bien content que la police t'ait relé hier soir, et yo pas de corrélé, pour yo t'ai vini, yo t'ai vini garder, et après 24 heures de temps, et que yo gain information pour nous ba yo. Gain information pour yo recueilli. Donc, moi, pensais que, à partir de là, n'a plus spécifique, mais permettre pour le moment que, eh bien, nous, Non. Est-ce que ou même l'autre monde qui n'a opposition, il y a un sentiment que nous ciblé par G9? Moi pas dit pas un groupe. Nous avons l'impression nous ciblé par le pouvoir en général, que ce soit ses alliés, que ce soit pouvoir lui-même. Et nous connaît et moun yo t'ai arrêté dans Met d'Orvalio, Robinson yo t'ai travaillé dans ministère intérieur. Donc il y a plusieurs pôles de pouvoir. Et qui à l'intérieur du pouvoir. Nous qu'a dit, et c'est ça que dit dans l'être là, nous ciblé par le pouvoir. Et qui dans le pouvoir là qu'a fait ça? Est-ce que c'est tout le monde, ou bien est-ce que y'a des pôles, yo même qui responsable de ça, qui sous direction des mondes bien précis? Moi, je pense que, nous même n'a cherché ça, et n'a parlé au moment opportun que nous gagnons toute information, yo. Maintenant, sénateur, deux dernières questions très rapidement. 17 octobre. L'opposition, moi, m'entendez, M. Michel annoncer que dans la rue, bon détail, s'il vous plaît. Et 17 octobre, moi, quoi que demain à 11h, et dans la dernière réunion, nous gagnons, l'opposition, ensemble des partis politiques, il y a gagné une conférence de presse qui a bail demain. Et moi, je parle pour la primeur là, et dans mes yeux, ma plateau. Pas un problème. N'attend demain 11h. Dernière question, hein, c'est sur le coup des comptes. Premier ministre, je veux recevoir le dernier rapport. Le Premier ministre a annoncé qu'il forme un task force. Et il a écrit ministère, direction générale et tout le monde qui est concerné dans Petro-Caribéa pour le chercher des informations. Ces formulations, ça me songe et soit penser par rapport à ça. Et quelle est la procédure tracée et par la loi, et quelles sont les attributions? Est-ce que permanent il y a attribution ça et c'est dans tel attention? Non, et moi regrette, c'est pas procédure là qui tracée. Et moi penser que sénateur qui était là, il était doué et dit PM là, voici la procédure. Normalement, Sénat a demandé, eh bien, Cour des comptes travaille pour un rapport. Et le Sénat, la Cour des comptes, c'est le bras technique du Sénat de la République ou du Parlement. Le rapport, à partir de ce moment. Hein? Oui, allô? Oui, c'est que dès que le rapport là, eh bien, il est écrit. Dans le règlement Sénat, rapport là, il doit acheminer à la justice. Et c'est peut-être ça, immédiatement, que le premier rapport là, eh bien, il est sorti, nous avons convoqué justement le ministre de justice et commissaire gouvernement, qui lui-même maître de l'action publique, pour nous passer la ministère de justice et qui lui-même te passer directement à commissaire gouvernement. Est-ce quelque part, c'est refaire la préfère vérification, la préfère audit là? Non, il n'y a pas qu'à refaire.
Son monde a compris ni comme ça, monde bien comprendre ni mal comprendre et premier ministre ça doit expliquer plus. Ni mal, c'est pas la procédure. La procédure c'est que d'après règlement Sénat, tout rapport qui sorti dans Sénat, rapport sénatorial yo doit aller et devant la justice. Et comme c'est commissaire gouvernement qui lui-même t'est déjà font un réquisitoire pour te voyer premier rapport là-bas, juge qui a perçu affaire, qu'on y a, il doit voyer le commissaire gouvernement qui doit faire un réquisitoire supplétif pour le voyer le juge à mon site qui même qui sous dossier. Non, donc, mais... pas gagné, dossier pas qu'à retourner dans le gouvernement encore. Mais ça qu'a fait là, comment on comprend? Non, il n'est pas bon, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, dossier doit aller joindre directement le commissaire. Là, parce que pas oublier, c'est un rapport de cour des comptes. Ça, ou qu'a fait un rapport, ou qu'a mandé un contre-rapport. Mais gondez-les. Les rapports là sortis, ou qu'a mandé un contre-rapport. Si on ne pas mandé contre-rapport là, rapport là, il peut aller joindre directement juge d'instruction à travers le commissaire de gouvernement. Donc, il n'y a pas gagné pour que il retourne encore. Et me passer sénateur Sildor, qui était sénateur pendant que président de l'Assemblée, et tout l'autre sénateur, il y a une procédure, et moi, penser que fait rapport là passer, tourner à travers le gouvernement, et bien, sénateur Sildor, mettez le dans situation que l'a fait perdre du temps, l'a fait un dossier, qui lui-même était déjà prêt pour la justice, retourner, et dans l'administration, alors que l'équité étape ça déjà. Merci un peu, sénateur, passez une bonne journée. Causer cette coalition avec changement qui gagne dans le produit pétrolier. Bonjour, gouvernement retiré 23 gouttes sous gazoline, 4 gouttes sous Jésus-Christ. Non, ben, sous question fixation précoce, parce que pas de gaz qui descend. Pas de gaz qui descend. Mais tu as demandé pour le gouvernement descendre du gaz. Et ceux qui sont fait depuis le mois de mai, depuis le début de COVID-19. Et nous songeons, nous avons toujours parlé dans Magic avant, Wilson, côté que yon baril pétrole est sorti dans $70, arrivé dans $8. Et nous avons dit au gouvernement qu'il faut descendre du gaz, il n'y a pas un. Il est content de faire comme délit. Et il a dit que c'est le dollar et qui est haut, il a utilisé un pile de gouttes pour acheter ce pétrole. Et je dis, nous avons dit que pendant ce temps, il est différent. Et nous avons gardé le dollar plus de 50% et le dollar, c'est qu'il a cassé. Et ça fait toujours prendre un temps par où. Et c'est sûr tout le monde là, a fait le même calcul là que nous faisons déjà. Mieux que le produit allait descendre, c'est monter le monter. Parce que lorsque nous sommes 125 gouttes, ou bien 64 gouttes, et lorsque nous sommes 224 gouttes, nous diviser ça effectivement dans $1.79. Et sur $1.79, ça pour gasoline. Et je dois regarder aujourd'hui, il y a 64 gouttes, ça va avoir $1.50, il y a $1.71 qui en plus que l'État pas détecté qu'on ne dépensait, pas dépensé encore. Et c'est à partir de ce moment, nous dire, faut plus qu'on va dépenser. Il faut qu'on t'a fait une baisse sur le prix. Et là, nous prenons tout le monde ensemble. C'est presque 5 milliards de gouttes qui n'ont pas utilisé encore ou acheté l'eau là ou acheté le pétrole. Et je dis, hein, pour qui ça? Et au gouvernement, dit qu'il a cassé la richesse. Côté, nous reconnaissons que qui bataille qui a fait des show-off, ministre, commerce a fait. Et il faut que la richesse descende. Tandis que, au niveau du produit pétrolier, pas que ça. Et nous souhaité que M. Taximoto comprenne ça. Puisque je dis gasoline, c'est comme si vous même bénéficié. Non. C'est pour j'ai augmenté sur le sang ou pas, ouais, ça. On a chacun bien pour faire. C'est pour mobiliser autour de population et des syndicats. Pour permettre que l'État, le gouvernement, descende plus de gaz. Parce que Allô. Où dans des noms? Oui, nous avons entendu en bas de plan et voir qui a retourné. Oui, non, c'est pour pas entendre nous, quel est le média et radio qui est là, il faut entendre simplement notre téléphone. Non, oui, okay. La radio est loin, nous attendons seulement. Ok, mais le gouvernement a retiré 23 gouttes sur gasoline qui est plus consommé et beaucoup en pile dans la population. 23 gouttes, ça, tout pour Noël, les concrets, les sorties. Il sorti sous chauffeur moteur qui t'a acheté gaz à 224 gouttes, qu'on a acheté là à 201 gouttes. Ça, les concrets du club béninois. On va dire que il pas sorti. Si on était retiré plus, peut-être, mais là, il est clair que le sorti. Tout pour Noël. Bon, vous êtes d'accord avec moi, toute étude économique et sociale est surfaite. C'est bon, c'est pas parce que les produits à descendre, non, qui permettent. Parce que ça qui vient, c'est l'or à l'acheter, qu'on fasse acheter.
l'aime qu'on acheté un bagage bon dollar, on a acheté 3 dollars. On pas ouais, l'étude économique là bien, expert on pas ouais, mais quand même dépense comme là. Puisque me dépense comme là, monde qui casse moi me dépense comme là, pas capable dire qu'on a produit à lui défendre en en point. Non, tout le cas, l'économie de 5 milliards de gouttes, ça, ça n'a pas tenu compte des bénéfices. Non, ça, on a dépensé 100 gouttes. Pour faire gagner, on a dépensé 50 gouttes. Mais 50 gouttes, qui pas dépensé encore? Et c'est ça a gonflé en côté. Mais 50 gouttes, qu'on a dépensé, on va faire bénéfice sur lui. Et c'est dans le bénéfice, ça même, l'État doit retirer. On ne va pas dire retirer dans l'autre, non, mais pour retirer pour qu'il descende pour Gaza. On comprend. Où est-ce qu'on voit le fait qui était entre gouvernement et bon, en approche, bon, qu'on ne fait pas de délit, je ne veux pas faire de délit parce qu'ils ont même piqué. Ils ont pas l'opposition, mais ils ont résisté. Et c'est normal qu'ils résistent parce qu'ils ont senti au foulé. Même Abdo, compagnie, on sait bénéficier effectivement, et pas la population. Comment comprendre lorsque produit à l'été 179 gouttes là, j'ai dit là, maj compagnie, et 15 gouttes de et 13 gouttes de lire, monsieur. Je dis à Maja, et 15 gouttes de lire. Et ça, c'est qu'on dépense pour nous voyer et pour du aller en province. C'est donc gouttes de lire. Je dis à 9 gouttes de lire. Maj distributeur, yo, il était 25 gouttes. Il en a 20 gouttes, on a 25 gouttes. Ça, c'est pour diesel là. Pour nous finir, monsieur Benissoir, est-ce que grève. Pompe en approche sur FEA, les gagnants des conséquences, les impacter fonctionnement secteur transport. L'époque où gagnent, mais la gagnent, si en approche, si les revendications n'ont pas répondu à lui, et ceci tout pays après subir de ça. Parce qu'en approche, c'est parce que de 257 stations, il y a notre pays. L'on dit 257, si tout adhéré, 200 environ, 257, si pas plus, adhéré à un mouvement comme ça. C'est sûr, c'est un an, on se mène encore. Parce que si vous achetez vos produits, les compagnies viennent avec vous, il y a un stock aussi, vous venez acheter. Vous ne pouvez pas acheter encore. Et les ne pas acheter encore, ça va dire pour autant, pas de produits dans la rue, non? Vous pouvez acheter des produits dans la rue, dans le galon jaune, encore même genre. Bien sûr, il y a une grande conséquence sur le transport. Hein? Ça veut dire, nous avons souhaité que le problème n'a résout entre la poste et compagnie, pour permettre que la situation soit définie. Mais il faut que l'État, tout, ils sont les régulateurs, tout bon, vrai. Mais pour nous finir, j'en dis, ou pas qu'à gagner coût. Parce que l'affaire sociale n'a pas qu'à gagner les syndicats. Il n'y a pas qu'à fixer coût non plus. Pourquoi on ne peut pas fixer coût sur le fixe, c'est nous pas respecter. Si on fixe, c'est nous pas respecter. Non, il n'y a pas qu'à fixer rien. On va le. Non, mais c'est quoi? En un bon sens, c'est pareil. Ou d'où est-ce que c'est un goût? Ou d'où est-ce que c'est un goût? Est-ce que nous connaissons pas le goût? Oui, où est-ce que c'est un goût? Bon, on garde les gens là. On dit un coût qui peut aller pour des paix. Tout le monde est capable de dire un coût là, c'est dit bon. Pas moins qu'on goûte. Ou pas arrêter plus, ou pas arrêter au plus, ou bien 50 centimes. Est-ce qu'il y a 50 centimes moins dans le pays? Non. Est-ce qu'il y a petit monnaie, nous gagnons, on n'a aucun lien. Alors, on dit, on va payer 100 gouttes de l'alcool du pain, pour n'a pas le payer 99 gouttes. Qui côté chauffeur, je ne goûte ça pour le passage. On va t'en mettre dans le passage, là. Sous-diesel, on t'a abordé ça vraiment, et il y a un problème technique là, puis on t'a réoué prio, notamment pour machine de transport comme qui est boule diesel. Du coup, bénissoir, merci parce que ça avec nous. Bonne journée. Bon, cher, nous remercions infiniment vos raisons, mais nous disons, gaz pas descendre, syndicat pas de coût sur le moyen avec affaires sociales, ça on veut faire appel, mais nous disons, passagers et chauffeurs, nous tenons ensemble pour forcer l'État à descendre plus de Gaza parce qu'il n'y a pas tant de la prière à le monter, nous avons un nouveau arrivage sur Balvinia. Et c'est là où on a levé, veillez, nous disons, veillez, on veut en bas, parce que nous ne pouvons pas accepter de ne pas monter Gaza, à faire jusqu'à Gaza, de vous descendre. Oui, si pas qu'arriver sur le premier ministre pour le BAP, les Kémel, les îles BAP font pas encore. Mais c'est pas non. Eh bien, dit Kemel. Bon, même, mon autre sous Mbalavel qui dit mon général de dit Petro Caribé. Hey, mon palais, il est en mari pour être. Et ça, quand ça dit, moi, il me dit, soit dit, il dit, moi, il dit, mais là, on dit ça, moi, écoute, non, tu parles pas, oui. Oh, bah, il dit, ça veut dire, les premiers ministres qui viennent dans ils ont toute sécurité ou bien qui ça? Je ne sais pas, m'dou ça, on dit, ne me faites pas tirer de conclusion. Ou bien les premiers ministres qui viennent, qui me Petro Caribé, parce que moi, Petro Caribé, a un parti dans le tout le monde. Pasteur Mathieu. On boule Petro Caribé. Qui ça me dit la bouquet de relever Pasteur Mathieu moi? On boule Petro Caribé. Ça me dit la bouquet de Pasteur moi. Aidez frère. Ça me dit la bouquet de relever Pasteur moi. Mais ça arrête de dire boule Petro Caribé. Boule Petro Caribé. Papé. Qui me paie? On boule là quoi? Oui. Et papé. Petro Caribé. Paie. Oui. Ok. Suivez mon regard. Bon.
Et mais en général, sous ça, dit, oui, de vous dire, Petro-Caribé, mon palais gonflé pour être. Ça, c'est pour vous, il faille. Oh. Et le Premier ministre Andouyel, il a parlé de. Parlé de. De. Nouveau code pénal, là. Oui. Et écrit, va l'écrit, nous, la commission, hein, pour faire le parler avec. Il dit, il ne va pas utiliser le mot protagoniste, mais c'est des gens qui prennent le subi l'application code, là. Oui. Il ne va pas dire protagoniste, citoyen. Oui, citoyen. C'est des gens qui parlent subir le code pénal. Donc, il vient avec deux gros dossiers, le Premier ministre vient avec deux gros dossiers. Oui. Bah, qui te fait zizir et tout. Deux gros dossiers. Il fait zizir et tout. Deux gros dossiers, il vient avec eux là. Oui, mais il vient avec deux. Hein? Basket. Ah non, non, je ne dis pas ça encore. Mais parce que Mathieu Guetta dit bénédiction sur nous tous. Amen. 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 Et des bloués, des bloués. Merci beaucoup. On va parler des boulons encore. Ça te dit à la chou. La photo de. Pourquoi ça que tu as râlé plus mené pour le bonheur de sanction? Non, non. La photo de ministre. Quel que le monsieur, on a deux ici. Oui, si. Dans deux gros dossiers. Bref. Bon, bref. Nous allons connaître. Et puis, l'autre vœu d'être quitté hier, c'est le ministre Commerce. Oui. Mais ça arrive dans le contexte. C'est normal, attends. Pédé tirer dans zone ça, c'est état normal, zone là depuis des temps. Maintenant, le rivé, comme tu as dit, dans le contexte d'inspection, et pour le ministre commercial, il a déjà interprété lui-même. Clair. Clair, pour lui-même, c'est même existant que débat, ça. Il dit son tentative d'assassinat, il était qu'à mourir. Oui, il dit ça. Maintenant, ça me donne les messieurs Kofi. Il dit bandit au game met, tout le monde découvre qu'est-ce qui met bandit. Ça montre qui est-ce qui met gang, qui met bandit dans le pays. Ouais. Ministre qui dit ça. Et bien, nous, non? Et samedi, ministre Kofik dit ça. Et puis, il a arrêté M. Xavier Auguste. Après ça, je parle avec l'avocat et Christelle Senatus. Il dit que c'est pour spéculation illicite. Il dit que c'est la loi 20 décembre 1946. Il dit que ça va kembe. Ça ne tient pas debout, parce que on va être simple. Spéculation? Oui, spéculation illicite. Oui. Mais peut-être bien censé pour affichage d'y parler même. Bon, oui, mais affichage là, l'eau pas affiché, c'est au mémorandum. Bon, moi, c'est surtout pour affichage, peut-être bien c'est qu'on fait parler dans son dans les médias. Oui, même de ça, le dit même. Et ministre de ça? Non, non, et avocat, oh, madame. Ok. Et elle a diffusé pour tout. Et avocat monsieur Auguste qui dit ça. Maintenant, il dit nous que 90% de produits canadiens ont été tagués en goud, gain on elle qui gagne des céramiques là-dedans et qui tenait tag dollar. C'est-à-dire dans le processus pour mettre tag goud là, il soulignait que à la caisse et même si le $12 a payé le taux du jour qui est affiché par la BRH. Elle dit que l'arrestation ça arbitraire. C'est ça, l'it. Maintenant, nous parlons avec. Bon, sous deux mèches avec Bandia et mon souscripteur. Avocat dit que c'est mensonger, ça, ministre dire. Ça dit qu'il est mensonger? Que y a une connexion avec. C'est eux-mêmes qui t'a fait mon tir. Il dit c'est mensonger. Ah bah, ah, bon. C'est menti. Il dit c'est menti. Maintenant, on a une réaction famille ou d'autres. Pour nous qui voulait parler avec nous, Napton, et nous avons contacté tous les responsables d'associations du secteur privé. Ils ont dit que, bah, on dit le temps que vous faites des discussions sur ça, pour vous connaître qui position il y a bien. Oui. Bon, mais ils sont passés de plusieurs côtés. Oui. Ils sont passés dans plusieurs entreprises. Oui. Elle dit que des constats qu'elle fait. Li brebayon l'autre ultimatum encore. De côté, il dit le passé, li wè prio capable en goud, mais yo converti li nan taux mois d'août là. Oui. 120, 122 goud là. Oui. Et nan taux ça. Li cité côté, il te passé, oui. Oui, li cité Belmat, MSC Plus. Et li passé là, yo. Oui. Nan ça, il passé, oui. Yo en goud, mais c'est sous taux, et mois d'août là, sous taux 120 goud là.
OK, n'a pas gagné plusieurs invités avant nous faire mon invité de premier ministre. Oui, tout à fait. Sous dossier spéculation illicite des prix et affichage auto, nous pas prendre consultation avec maître Patrick Laurent pour dire nous qui ça la loi dit sur ça. Et qu'il est en arrestation. Loi infraction en fait. Loi sur spéculation dit c'est où, prio c'est le département de commerce qui fixe. C'est la loi texte là dit côté notamment. L'est-il? Ah bon, mais tu peux faire me crier là mais ça. Non, bah faut que juste pas le monde combien qui quantité prio qu'on est l'état fixé ici déjà. Oh Jesus, nous on est au fixé. On allait pour gaz. Pour gaz. On allait pour transport. Pour transport qui pas toujours respecté. Bon, mais au fait, il fixe lui officiellement. Oui, officiellement. Mais mon troisième, oui. S'il vous plaît. Et là, je suis en train de causer ma petite tête. Ou pas besoin. De voir dans mon petit cerveau. Ou pas besoin aucun autre produit ni service l'État fixé. Sauf dans le public, là. Il y a des services l'État fixé, où on est pris déjà. Service en DGIO, et passeport, etc. Ça, on est pris. Mais, service de tous les jours, pré-produit, on n'a pas acheté. Moi, l'autre nom d'État fixé. Bah ouais. En tout cas, et mettre le sénatus qui nous parle avec lui, il voyait pour moi, et moi, merci pour ça. Et moniteur, loi du 20 décembre 1946 sur le trafic de spéculation, dit marché noir, on va être considérant. Et article 1 dit, est considéré comme délit de spéculation illicite, tout fait. D'acquisition ou de vente, cession, échange de marchandises au-dessus du prix fixé par le département du commerce, ainsi que tout stockage clandestin ou refus de vente en dehors des formes prescrites par la loi, les denrées alimentaires, tissus, matériaux de construction et autres.